Jeudi 23 avril 2020, la quatrième sortie du journal pour cette semaine. Salut à vous tous et à vous toutes, bienvenue dans ce journal qui diffuse sur la chaîne YouTube de Jean-Baptiste France D et notamment sur sa page Facebook. Rapidement, les différents titres, madame, messieurs, le gouvernement haïtien travaille sur une baisse du prix du carburant. 4 nouveaux cas de coronavirus recensés ce mercredi 22 avril 2020. Un total de 62 cas positifs recensés en Haïti. Sur le plan culturel, à cause de la pandémie de coronavirus, la reine Elisabeth II a fêté son anniversaire discrètement et également sans les autres membres de la famille royale ce 21 avril 2020. Dan Junior annonce la sortie officielle de sa nouvelle chanson ce vendredi 24 avril 2020. Le développement du journal, mesdames et messieurs, c'est dans un instant. De retour après la pause, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité et votre attention. Le développement du journal. Le gouvernement haïtien travaille sur une baisse de prix du carburant. Si le cours du pétrole ne cesse de s'effondrer sur le marché international, le prix du carburant à la pompe en Haïti n'a pas changé. Selon les informations dont nous disposons, le gouvernement haïtien entame des négociations sur la possibilité de réduire le prix des produits pétroliers sur le marché local, tenant compte de la baisse continue sur le marché international. 4 nouveaux cas de coronavirus recensés ce mercredi 22 avril 2020, un total de 62 cas positifs recensés en Haïti. Le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, a informé ce mercredi 22 avril 2020 que le pays compte 62 cas testés positifs au COVID-19 dans le pays. Après les dernières informations des tests du Labo international, le MSPP informe la population que 4 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en date du 21 avril 2020, ce qui porte le bilan à 62 personnes testées positives officiellement au COVID-19, 4 décès et 2 cas de guérison, on peut lire dans ce communiqué du ministère de la Santé publique et de la Population. À cause de la pandémie de coronavirus, la reine Elisabeth II a fêté son anniversaire discrètement et également sans les autres membres de la famille royale ce 21 avril 2020. Elle a fêté discrètement ses 94 ans le 21 avril dernier sans le faste et la pompe. À cause de la pandémie de coronavirus, la reine Elisabeth II a passé son anniversaire sans les membres de la famille royale également. Actuellement, la souveraine est confinée au château de Windsor avec son époux Philippe, âgé de 98 ans. Dan Junior annonce la sortie officielle de sa nouvelle chanson ce vendredi 24 avril 2020. Près de 3 ans après la sortie de son 5e opus intitulé « À cause de Troyes », Dan Junior amorce son retour avec l'annonce d'un nouveau single, premier extrait de son 6e album en préparation. C'est ici que s'achève le journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une autre édition.